Ah, mais qu'est-ce qu'il veut 7 jours comme ça? Bon, 7 jours, tu finis par avoir raison, puis moi j'ai cessé de discuter après tout. On me dit d'être ici, je suis ici ou là-bas. Et l'essentiel, c'est de toucher son cachet après. Puisqu'on gagne, t'appelles ça un cachet? C'est sympa. Son cachet. C'est un cachet qui fait, qui rend malade. Tu comprends? Oh là là, mais... Ouais, y a déjà... mon cher vice-président, la salle est déjà occupée. Bah écoutez, comment on va faire les balances? Encore une fois, le génie de la Bévue, oui, c'est... Enfin, pour ça, vous mériteriez un prix Nobel. Bon, enfin, écoutez, en même temps, il y a du monde. Ça, c'est une bonne chose. Voyez, mon cher vice-président, mon petit Henri, je le pressentais, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais je le pressentais. J'étais certain que cette idée de spectacle sur le Canada, ça allait faire un tabac. Que Didouda allait vraiment démarrer l'année en beauté. Président, je ne veux pas être en toute votre génie associatif. Vous ne croyez pas qu'on s'est trompé de soi? Et pourquoi vous dites ça, mon petit Henri? Déjà, il y a du monde. Hein. Et c'est vrai. Oui, puis... Pipier. Les gens sont plutôt pas mal habillés. Hein. Ah, ça c'est sûr, ça n'est pas de la calife, hein. Il y a des jeunes? Des jeunes? Non mais, allô, quoi? Ah oui, des jeunes. Oui, effectivement. Bah écoutez... Non, c'est... Mais... Vous savez, mon cher Henri, je suis persuadé qu'il y a une majorité de gens ici qui ne connaissent pas du tout Alain Leprest. Mal à la presse. Et pourquoi pas Léo Ferré, par exemple? Ah oui, mais Léo Ferré, c'est normal, il était de gauche. Ah. Et dites, c'est pas Philippe Rappin. Ah ouais, pourquoi? Ah parce que lui, il a l'intégrale de Léo Ferré. J'avais écouté chez lui quand il était à l'école normale. Il a même l'intégrale de Maxime Le Forestier. Ah bah écoutez, comme quoi vous voyez mon cher vice-président. Tout n'est pas perdu. Il y a une lueur d'espoir. Une lueur. Mais dites, mon petit Henri, si on profitait de ce magnifique public, de cette salle pleine, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, pour leur présenter notre belle chanson française. Ah, qu'en dites-vous? La qualité du public, bien sûr, la qualité du public. Mmh. Et ce sera un écrin pour votre recevoir une immense table. Oui, enfin, si vous ne mettez pas en péril mon génie d'interprétation, je pense effectivement que ça peut le faire. Mesdames, messieurs, sur un texte de Daniel Thibault, une musique de Robert Charlebois, je reviendrai à Montréal. Sous les remparts blancs de l'hiver.
Bien. Ben, j'avais pas tout vu, hein. Oui, bon, on y reviendra. Bonsoir à toutes et à tous. Ce secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers départementaux régionaux, mesdames, messieurs les maires, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie des services, monsieur le vice-président de la Chambre des métiers, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les acteurs de la communauté urbaine d'Arras, et tout simplement peut-être chers amis, bonsoir à tous. Alors, comme vous avez pu le constater, j'avais voulu que cette année, pour notre cérémonie de vœux, il y ait un peu d'originalité. Et je pense que vous avez apprécié ce qui a été préparé. Et avant tout, je voudrais, en guise de remerciement, vous demander d'applaudir chaleureusement la troupe musicale de Didouda, Guillaume de France qui était sur la scène et qui a magnifiquement interprété Charles Bois, donc le président de Didouda, avec Henri Oez, ainsi que leur équipe de valeureux musiciens. Et j'y rajoute aussi nos trois sportifs, Esther Turpin, Julie Carrey et Adrien Petit, le bison, ouais, j'aurais pu, râleur, ouais, pour la gazelle, c'est complètement raté, mais je vous demande quand même de les applaudir. Voilà, en fait, l'idée, c'est chaque année, nous essaierons de mettre à l'honneur désormais une association qui s'investit, qui porte haut et loin notre territoire. Cette année, ce soir, c'est Didouda. Alors, Didouda, c'est une association qui enchante l'Arrajois depuis 1995, par de nombreuses, très nombreuses activités originales autour de la chanson française, comme des cabarets ou des stages de chanteurs en amateurs. Didouda, c'est aussi bien sûr son festival d'envergure, plus que régional, fête de la chanson. La très attendue, d'ailleurs, 14e édition se tiendra du 16 au 23 juin prochain, autour d'artistes et de créations, vous l'avez compris, du Québec. Je vous invite à y participer, je pense que vous ne le regretterez pas. Je voulais ce soir aussi mettre cette association en lumière, tout comme une trentaine d'entreprises de chez nous qui soutiennent Didouda, parce que nous soutenons à la communauté urbaine cette association et la remercier parce qu'elle participe aussi avec passion au rayonnement de notre territoire. La soirée, vous l'avez vu, est aussi placée sur le thème du sport, avec la volonté, comme ça a été dit, de faire la course en tête. Et à ce titre, je voudrais aussi remercier Esther Turpin, championne d'heptathlon du Racing Club d'Arras Athlétisme, ainsi que Julie Cailleret, notre séiste de l'association Sport et Loisirs Canoë Kayak de Saint-Laurent-Blangy. Deux jeunes filles, vous l'avez constaté, très dynamiques et engagées, et que la CUA a décidé d'accompagner grâce à un contrat d'image que nous avons signé avec elles fin 2017. Contrat qui a pour objectif d'aider ces deux championnes à obtenir une médaille au JO de Tokyo en 2020. Je sais que c'est leur rêve et c'est donc aussi le nôtre. Vous l'avez remarqué, elle véhicule avec élégance le dynamisme de notre territoire. Et puis, un salut tout particulier à Adrien Petit, notre champion cycliste de Sainte-Catherine, qui n'est pas là ce soir, mais qui s'entraîne. Je pense que vous l'avez tous reconnu et qui... je n'en doute pas, je suis même prêt à prendre des paris là-dessus, va briller cette année sur les routes du Tour de France et certainement, c'est pas Jean-Marie Molorenberg qui me dira le contraire, lors de l'étape de pavé Arras-Roubaix. Et oui, les premiers pavés seront à Arras et à la Citadelle, donc rendez-vous pour cette magnifique fête le dimanche 15 juillet à la Citadelle. Vous l'avez compris, ce clin d'œil, c'était une manière symbolique de dire qu'à l'instar de ces athlètes, nous avons cet esprit de compétition, esprit de compétition pour gagner parfois, pour participer souvent, pour animer le territoire, en tout cas toujours, et avec la volonté au moins de faire la course en tête.
Et j'ai l'espoir que les nombreux événements de 2018 nous placeront une fois encore en tête du peloton, car être à la communauté urbaine, c'est faire briller ses couleurs, c'est mouiller le maillot en équipe, c'est être fier de son territoire et c'est faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire seul, c'est offrir des services utiles au quotidien de ses habitants. En 2017, nous avions la volonté d'aller au plus près de chacun pour expliquer notre rôle, notre action. C'est pourquoi, à l'occasion de la mi-mandat, nous avons souhaité, avec les maires, les élus de la communauté urbaine, présenter aux habitants les actions engagées depuis le début du mandat et le travail accompli. Nous avons réalisé un document de 8 pages, personnalisé pour chacune des 46 communes de la communauté urbaine. Et nous avons choisi d'y évoquer le travail de la communauté urbaine, au travers bien sûr de ses différentes grandes compétences, développement économique et donc l'emploi, le logement, la mobilité, mais aussi parler de nos actions au quotidien, nos actions de la communauté au service des habitants du territoire, avec les transports en commun, les aides au logement, le travail de prévention contre la délinquance ou encore la prévention de la santé, la rénovation énergétique des logements, l'aide à la formation et à l'accès à l'emploi et bien d'autres domaines encore. En 2017, la CEA s'est vue aussi renforcée dans ses compétences avec la voirie et le tourisme et s'est enrichie de 7 nouvelles communes, je l'espère pour la plus grande satisfaction de leurs maires et de leurs habitants. C'est aussi une communauté qui s'est voulue plus attractive avec en ce moment plus de 550 millions d'euros en cours d'investissement pour la réalisation et de réalisation par nos entreprises, et qu'elles en soient remerciées, par des grands groupes ou des PME françaises ou étrangères sur le territoire de la communauté urbaine. C'est du jamais vu sur notre territoire. Et cela se concrétisera par la création, pour ces 30 implantations en cours ou extensions, par plus de 1700 emplois, de belles perspectives qui concernent l'ensemble de nos parcs d'activité. Et j'ajoute à ça que nous ne manquons pas de prospects et de contacts pour 2018. C'est aussi une communauté qui se projette avec son plan local d'urbanisme intercommunal qui dessine notre territoire à l'horizon 2030. C'est bien sûr une communauté pleinement engagée dans sa stratégie locale de transition énergétique et qui nous verra, monsieur le secrétaire général, impulser un travail de contractualisation avec l'État et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, que nous recevrons avec monsieur le préfet demain, et avec qui nous pourrons évoquer les moyens à mettre en œuvre pour aller plus loin dans l'autonomie énergétique de notre territoire, avec certes la diminution de notre empreinte carbone, mais surtout des emplois à la clé. La CEA, c'est aussi une communauté qui respire, car nous avons choisi d'être innovants en matière de mobilité. Au-delà du succès de notre Vélectrique, qui était là encore tout à l'heure avec nos athlètes, et du développement des modes doux avec notamment l'arrivée de plusieurs garages à vélo public, nous avons décidé de muter le parc de bus diesel vers le gaz, et cela afin de réduire les nuisances sonores en partie, et prochainement de supprimer l'émission de particules fines dans l'air. Une station GNV sera d'ailleurs installée. La CEA, c'est aussi une communauté à habiter. Et dans le cadre de notre programme local de l'habitat, depuis 2014 et jusqu'à 2016, nous avons financé plus de 650 logements sociaux, dont 110 logements en béguinage. Et nous allons continuer grâce au partenariat avec les bailleurs sociaux qui sont nombreux dans la salle ce soir. Ils savent qu'ils peuvent compter sur notre engagement. Enfin, c'est aussi une communauté qui préserve. Nous avons baissé la facture d'eau en 2017. Et c'est aussi le service de défense à incendie dans les communes qui a été amélioré. Voilà de manière non exhaustive quelques actions menées en 2017. Vous l'avez compris, ce qui nous a animés, ce qui nous anime, c'est le bien-être des habitants, c'est d'être au plus près de leurs préoccupations, de leur permettre de faire la course en tête, et dans ce domaine, la création d'emplois sur le territoire reste bien sûr notre première priorité.
Et à ce titre, j'espère beaucoup en l'année nouvelle. À la CUA, nous avons voulu faire la course en tête, je dirais aussi, car nous animons et pensons le territoire à 30 ans. Alors cela peut paraître ambitieux, voire présomptueux, mais je crois sincèrement que nous avons un rôle moteur, un rôle pivot, un rôle d'ensemblier et d'animateur du territoire, que ce soit dans l'élaboration de notre SCOT, notre schéma de cohérence territoriale, au sein du pôle métropolitain Artois-Douaisis. Notre vocation au cœur des Hauts-de-France est d'échanger, de partager avec nos voisins et de fédérer pour construire ensemble. Je veux ainsi saluer le travail constructif réalisé au sein du SCOT avec nos deux partenaires du Sud-Artois et des campagnes de l'Artois et leurs présidents Jean-Jacques Cotel et Michel Sauveau. C'est un travail de réflexion et de cohérence territoriale que nous menons ensemble. Quel territoire voulons-nous construire ensemble demain ? Au sein du SCOTA, ensemble, nous dessinons à 30 ans notre ambition commune, en partageant l'avenir avec nos voisins. Nous écrivons cette feuille de route qui tend encore une fois au bien vivre ensemble. Nous nous appuyons sur nos forces, bien sûr, mais nous traçons aussi nos limites et nos ambitions communes. De la même manière, la création du pôle métropolitain Artois-Douaisis, sous la présidence de Pierre Georget, dans lequel, bien sûr, la CUA a toute sa place, nous permet de conforter notre position privilégiée au sein de la région des Hauts-de-France. Il est aussi de notre responsabilité de parler avec nos voisins du bassin minier. Je l'appelle de mes voeux. Ensemble, nos deux pôles métropolitains pèsent 1 million d'habitants. Ensemble, nous serons bien sûr plus forts pour parler et travailler avec notre grande région et avec l'État. En fait, le débat est posé. Que voulons-nous faire de notre territoire ? On entend de ci de là parler de fusion, de rapprochement. Ce territoire, voulons-nous le voir s'agrandir ? Voulons-nous le rendre plus efficient ? Ma seule certitude est qu'il nous faut élaborer une stratégie. Une stratégie utile pour notre territoire. Alors quelle stratégie, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement celle du dialogue et de la concertation. Il n'y a que ça qui vaille. Car si je crois au socle inamovible et solide qu'est la commune, il faut que celui-ci se renforce, que nos communes soient plus fortes dans leurs compétences. Faut-il pour cela qu'elles fusionnent ou qu'elles mutualisent davantage ? C'est à elles et à leurs habitants de répondre. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, je m'interroge. Je dis bien je m'interroge. Quand je regarde cet ensemble urbain constitué d'Arras et de sa proche périphérie, je m'interroge sur les évolutions nécessaires. Que veulent nos habitants ? Eux, qui partagent les mêmes services, dont les jeunes, fréquentent les mêmes collèges, les mêmes lycées, les mêmes lieux de loisirs. Ces habitants qui partagent parfois même la même rue. Quelles sont leurs attentes ? Je crois que nous devons collectivement de leur poser la question. De même, les habitants de nos communes rurales sont-ils plus attachés au nom de leur commune qu'aux services qu'ils peuvent y trouver ? Ces habitants ne sont-ils pas plus enclins à ne pas se sentir abandonnés, de savoir que nous avons pour eux des projets de développement, que leurs villages sont et restent attractifs avec des services plus complets ? Je crois sincèrement que nous devons avoir ensemble cette réflexion avant que l'on ne nous l'impose, qu'on nous impose une organisation qui ne soit pas la nôtre. Bien sûr, d'ici là, nous veillerons à développer les mutualisations. C'est le rôle de la communauté urbaine. Et c'est pourquoi nous travaillons avec les maires de la communauté à plus de mutualisation, à une véritable plateforme service que nous mettrons en place en 2018. Nous engageons également la mise en œuvre d'un open data qui doit nous assister au quotidien. Par ailleurs, à l'image de la concertation lancée par le président de la République, je proposerai aux élus de la communauté urbaine, municipaux, parlementaires, conseillers généraux, conseillers régionaux, je proposerai de réunir une conférence locale des territoires
Car je veux, vous le savez, chers collègues, mieux partager notre action. Cette solidarité qui existe entre les communes, c'est une force. Elle s'exprime dans les nombreux projets de la communauté urbaine. Je pense que l'on peut aller encore plus loin avec cette instance de dialogue que je vous propose. Je le redis, qu'on ne s'y trompe pas, je suis pour des communes fortes dans une communauté urbaine forte. Nos habitants doivent être maîtres de leur destin. Il nous faudra nous positionner sur le projet communautaire que nous partagerons et que nous leur proposons. Et c'est ainsi, et ensemble, que nous pourrons leur clamer aux urnes, citoyens. L'élection présidentielle de 2017 a bousculé le paysage politique français et donné à notre démocratie des dirigeants honnêtes et engagés. Faire confiance et faire simple, c'est une devise du président de la République. Eh bien, j'ai envie de dire ce soir que je la fais mienne et que j'ai confiance en la France. Je souhaite la réussite de la France. Et même si nos collectivités sont parfois regardées avec un œil de loup, je réponds top là pour un contrat gagnant, gagnant. Oui, les collectivités sont prêtes à faire des efforts conséquents, mais l'État ne doit pas oublier qu'elles animent et construisent le territoire et aussi qu'elles investissent. Eh bien, nous allons nous engager dans la contractualisation voulue par le gouvernement, monsieur le secrétaire général, mais avec la volonté que la parole de l'État soit respectée, et je sais pouvoir compter sur votre engagement. La course en tête en 2018, mesdames et messieurs, ce n'est pas que le titre documentaire réalisé en 1974 et qui relate la carrière d'Eddie Merckx, le cannibale. C'est notre philosophie, c'est notre leitmotiv. En 2018, nous ferons la course en tête en réaffirmant toujours nos priorités, l'emploi, le logement et la mobilité. Alors à ce stade de mon discours, je dois vous dire que 2018 sera une année particulière pour moi. Particulière parce qu'un élément important de l'équipe CUA partira, en accord avec moi et avec tout mon soutien, courir dans une autre écurie. Lionel Crutel, mon fidèle directeur de cabinet, ira prochainement faire la course en tête avec l'équipe de Xavier Bertrand à la région. J'en suis fier et surtout très heureux pour lui, d'autant plus que vous l'avez compris, je ne le perds pas totalement. Bon vent, Lionel. En 2018, oui, vous pouvez l'applaudir. En 2018, nous aménagerons le territoire. Comme chaque année, me direz-vous, mais la communauté urbaine investit plusieurs dizaines de millions d'euros dans son aménagement. C'est le rôle de l'intercommunalité, investir et faire travailler le tissu économique local. J'en profite d'ailleurs une nouvelle fois pour saluer et remercier les nombreux chefs d'entreprise présents ce soir qui investissent eux aussi chez eux sur le territoire de la communauté urbaine. En 2018, nous continuerons le programme ambitieux de voirie sur les communes urbaines mais aussi dans les communes rurales, 600 km de voirie. Nous continuerons à étendre bien sûr nos zones d'activité. Et oui, car nous avons beaucoup de demandes, et c'est tant mieux. Je veux d'ailleurs saluer le travail partenarial mené avec la Chambre d'agriculture sur les protocoles d'achat foncier. C'est un plaisir de travailler ensemble, je le dis à monsieur le président de la Chambre d'agriculture, malheureusement absent ce soir pour des raisons personnelles. C'est un plaisir de travailler ensemble dans le respect de la profession agricole et dans la compréhension des ambitions de la collectivité. En 2018, nous continuerons également à transformer le Val de Scarpe, avec le curage de la Scarpe et du bassin d'eau plate, la mise en place de cette fameuse passerelle qui va relier Saint-Nicolas, Saint-Laurent et Arras, et plus généralement, l'aménagement des jardins entre le carrefour Menet et le port fluvial. J'insiste sur cette profonde transformation de l'entraîneur de l'agglomération, la passerelle,
le projet de parc paysager, le pôle cassé en construction d'Auxine, la démolition en 2018 des silos d'Ivigala et la construction de logements, l'ouverture de l'Université des Compagnons, la nouvelle caserne de pompiers, la réfection en profondeur d'Aquarena et l'éco-ressort autour de Cité Nature. Tous ces projets, portés ou soutenus par la communauté urbaine, sont autant d'atouts pour rendre encore plus envié, je dirais, et attractif en tout cas, notre territoire. En 2018, nous franchirons une étape supplémentaire aussi dans notre transition écologique. Au-delà de la compétence GEMAPI, pour les spécialistes, hein, c'est la gestion des eaux et des milieux aquatiques pour préserver les inondations, que nous exerçons par obligation depuis le début de l'année, eh bien la communauté urbaine s'est engagée depuis quelques années dans une véritable démarche de transition énergétique. Et de manière très concrète, c'est plus de 30 actions que nous présenterons au ministre demain, monsieur le secrétaire général. 30 actions qui sont construites dans un souci d'opérationnalité aussi rapide que possible, et la moitié étant lancée dès cette année. Dans le domaine de la production de biométhane, le Texoo Centre Régional de Méthanisation produira plus de 30 gigawatts par an, s'appuyant sur un gisement d'intrants de proximité et sur des débouchés immédiats de biogaz produit. Outre cette méthanisation, 3 projets sont soutenus en priorité. Une entreprise locale d'investissement, un réseau de chaleur à partir de chaleur fatale et aussi des micro-centrales hydroélectriques sur les bords de Scarpe et du Franchon. Dans le secteur résidentiel, la mission de structuration de rénovation énergétique et des constructions à haute performance va nous permettre une économie de plus de 20 gigawatts par an. Cette mission est d'ailleurs illustrée par la transformation du quartier Baudimont en quartier démonstrateur bas carbone qui combine la réhabilitation urbaine et énergétique de 450 logements des années 60 et le développement d'énergies renouvelables. Dans le domaine tertiaire, le patrimoine des communes de la CEA fera l'objet d'audits énergétiques et dans le domaine industriel, nous mettrons aussi en place une chaufferie à combustible solide de récupération, les CSR, pour accompagner les industriels du territoire dans leurs actions d'efficacité énergétique. Enfin, dans le domaine de l'adaptation au changement climatique qui nous préoccupe, le développement des espaces et surfaces végétalisées dans les communes et la restauration d'espaces naturels seront dès 2018 bien évidemment partie intégrante de notre plan d'action. La communauté urbaine d'Arras joue ici un rôle reconnu de pionnier au niveau régional, tant dans les premières actions d'efficacité énergétique que dans le développement de la production d'énergie renouvelable locale et sur son territoire. L'année 2018 sera aussi riche en événements. Travailler encore et toujours à notre attractivité. L'attractivité d'un territoire où l'on prend le temps de vivre, c'est l'ambition de notre politique touristique en 2018. Depuis le 1er janvier, le tourisme est effectivement devenu une compétence de la communauté, pas seule, bien évidemment. Et je dirais même des communautés. Nous avons créé en effet l'Office de tourisme du Grand Arras, Palais d'Artois, avec nos voisins du Sud Artois, des campagnes de l'Artois, de la communauté de la ville d'Arras. Et l'objectif est simple, c'est de développer ensemble l'offre touristique, d'avancer sur le tourisme d'affaires qui est devenu une vraie manne économique et de proposer aux visiteurs de notre territoire comme destination touristique innovante, voire insolite. Le but est simple, et notre idée est simple, devenir la destination privilégiée de nos amis de la région parisienne et d'ailleurs, en leur proposant 52 week-ends thématiques pour souffler et prendre le temps de vivre. Tout cela en profitant du territoire. Tout cela grâce à ces nombreux événements de renommée nationale comme l'Arras Film Festival, Fête de la Chanson et bien sûr le Main Square, pour ne citer que. 2018 sera aussi l'année du centenaire de la Première Guerre mondiale, de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et nous préparons une célébration particulière avec le soutien de la mission centenaire, la Grande Veillée. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, une grande veillée sera organisée pour rendre hommage à ceux qui, dans leur toit, n'ont pas eu la chance de voir le soleil se lever sur le jour
qui devait être celui de l'armistice. Tiens, au fait, un petit message, c'est vraiment un petit message de publicité. N'attendez pas l'arrivée en 2018 des deux nouveaux Timescope à la Citadelle et au cœur du centre-ville d'Arras sur la place des Héros, peut-être, pour aller découvrir celui inauguré en décembre dernier au Monument des Fraternisations. Je pense que là aussi, vous ne regretterez pas. 2018 sera également l'anniversaire des 10 ans du classement au patrimoine mondial de l'humanité de la Citadelle d'Arras, mon cher Jean-Marie. Eh oui, 10 ans. Cette citadelle que nous rénovons depuis 2009, en gardant toujours en tête le respect et l'esprit, cher Abandon. Nous commencerons d'ailleurs cette année la réfection du premier ouvrage bâti et commencé en 1673, la chapelle Saint-Louis. Et cela grâce, et je les en remercie, à l'aide de partenaires publics et privés. Enfin, et c'est vraiment une occasion pour faire la course en tête, nous aurons le plaisir, et là j'y reviens, et l'honneur d'accueillir deux épreuves cyclistes d'envergure, les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France, le 11 mai, le lendemain du jeudi de l'Ascension, avec une étape pleinement CUA qui partira de Dainville et arrivera en haut de ces magnifiques tours de Mont-Saint-Éloi. Et puis bien sûr le Tour de France, le dimanche 15 juillet, pour cette étape de pavé qui emmènera les cyclistes de la Citadelle d'Arras au Vélodrome de Roubaix. Et cela, dans une journée, je l'espère, de fête, puisque ce sera le jour de la finale de la Coupe du Monde de football, et que bien sûr, la France sera en finale. Je pourrais continuer à vous dépeindre l'année qui s'annonce devant nous, tellement son programme est riche. Je pourrais parler de Terres en Fête 2018, de l'attente personnelle, aussi qui est la mienne d'accueillir des Dépêche Mode, et aussi des nombreux événements organisés dans chacune des 46 communes de la communauté. J'ai surtout envie de vous dire, venez les vivre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, là non plus vous ne serez pas déçus. Voilà, mesdames, messieurs, tracé en quelques lignes nos réalisations et nos ambitions. J'adresse à chacune et à chacun d'entre vous des vœux chaleureux, de bonheur et de santé, dans une année que j'espère belle et douce, sereine et pleine de sagesse pour notre pays, puisque nous n'aurons pas d'élection en 2018. Ouf, ça fait du bien. Je souhaite que la France réussisse, la France qu'on aime, celle du travail, des valeurs, mais aussi une France solidaire qui aide les plus démunis et ceux qui ont perdu leur repère, je pense bien sûr aussi aux gens qui souffrent loin de chez eux. Vous avez à vos côtés des élus engagés, fiers de leur territoire, qui chaque jour remettent sur le métier leur ouvrage, des élus urbains, des élus ruraux, mais surtout, surtout, des élus responsables et investis de cette culture commune, celle du bien-être de nos habitants. Alors vous savez, j'ai l'habitude de terminer par une citation. J'ai choisi cette année, je pense pour résumer, conclure, mais aussi résumer mon propos, une phrase de l'académicien Jean d'Orbesson qui écrivait « Tout le problème est de s'élever et de se distinguer sans se séparer des autres. » Bonne année à vous. Merci. Et je vous propose de passer dans la salle de l'amitié.